Thomas, on le connaît depuis qu'il est tout petit, parce que depuis qu'il est tout petit, eh ben son papa Yann l'emmène sur les compétitions. C'est un vrai, vrai passionné et un vrai talent de cette scène freestyle. Thomas Krief, va-t-il faire le hold-up d'entrée de jeu? On y croit, c'est parti pour Toto. Moi j'ai grandi à la montagne, mon père m'a mis sur les skis super tôt. Et j'ai commencé à faire du ski extrême, donc du ski freestyle et freeride quand j'avais 6 ans. J'ai eu mes premiers sponsors quand j'avais 7 ans. Je suis encore super jeune, mais on me connaît depuis super longtemps, donc je suis presque un ancien. Il a bien ridé les entraînements, Thomas, il était bien dans les courbes, les runs se sont bien passés. Il n'y a pas de problème. Allez, le double cork 1260, tel grab là-haut. Hein. Allez, double flat speed avec beaucoup d'amplitude, Toto. En fait, Thomas, à l'heure actuelle, c'est le gros potentiel du ski freestyle half-pipe. C'est un des meilleurs skieurs du monde. Donc, les qualifs, ça devait être un jeu d'enfant dans le sens où il a largement le niveau de se qualifier. En général, il gère bien la pression et puis hier, ben, il a une mauvaise appréciation de son ski et du coup, quand il arrive en bas de son run, il décide de faire un truc pour essayer de prendre des points supplémentaires, un truc qui n'était pas prévu. Ouais, il est dans une position inconfortable, Thomas, ça va se jouer au mental cette histoire parce que le ski, là, on l'a vu au training. Forcer un petit peu là sur le double cork 1260, néanmoins ça rentre, il faut rester dedans, Thomas. Voilà. Jusqu'au bout. J'avais l'impression de pas avoir fait assez bien pour aller en finale. Du coup je me suis dit en bas faut que j'improvise et que je fasse ma grosse figure. Du coup j'ai essayé ma grosse figure, mon switch 1260, c'est une figure que personne n'a jamais fait en compète, que j'ai fait au championnat du monde. Les qualifications, c'est souvent le plus dur en fait, parce qu'on est très stressé. Il faut quand même envoyer du gros pour passer dans les 8 meilleurs du monde. On est 16, ils prennent les 8. Et une petite faute, une petite erreur, et c'est fini, tu passes pas en finale. Ça peut arriver au meilleur, quoi. Ça peut arriver à David Wise, le multiple médaillé d'or au X Games. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc voilà, il a pas eu de chance. Éliminé des qualifications, le français, c'est la première grosse déception de cette soirée. On rappelle ses meilleures prestations, 5e en 2011, médaille d'argent l'année dernière. Se prendre une bonne claque sur la dernière de la saison, avant une saison olympique, pour moi, même si je pense que j'étais prêt techniquement, je me suis pris une bonne claque et j'ai pas envie de m'en reprendre. Du coup je pense qu'à l'entraînement, voilà, je vais donner encore plus que ce que j'aurais donné si j'avais fait bien ici. Et voilà, peut-être qu'au fond c'est pas une mauvaise chose. Ça va? Ça va bien. Good evening Mike. Et bonne soirée. Et bonne soirée. Et allez, Manchester United. Bonsoir. Oui.